Let's go! Oh, c'est magnifique! C'est magnifique! Nous voilà pour une nouvelle aventure sur Scorcheders! Yo les amis, c'est Patch Curtis. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série sur Ark Ascended. Aujourd'hui, on est sur Scorcheders et les amis, je suis hype de fou. Alors, pour tout vous dire, donc j'ai rien pris. Je suis parti en caleçon, je suis tout neuf. Par contre, j'ai gardé mon personnage de Sea Island. Forcément, c'est l'histoire du jeu qui veut ça. On a fait notre ascension sur la dernière vidéo, les amis. Donc là, c'est parti, c'est parti. Je vous rappelle aussi que le serveur commu pour la communauté, du coup, est ouvert en cross-platform avec Sea Island et Scorcheders. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description de cette vidéo. Voilà, les amis, je suis complètement fou, là. Ça y est, là, je suis en sang. D'ailleurs, je vais mourir. Je pense que je vais mourir 10 fois dans cet épisode. Mais au moins, je suis parti en calbut. Donc c'est parti pour cette aventure les amis, je compte sur vous pour bombarder la barre de like, les abonnements, les commentaires, la cloche de notification, les partages, tout ça, vous connaissez. Épisode 1 de Scorcheders, c'est parti. Waouh, mais alors regardez la beauté de cette map, c'est juste incroyable. Je me suis pas encore fait becter, je sais pas dans combien de temps ça va arriver. Je sais qu'à la tour verte, normalement dans mes souvenirs, il y a de l'eau. Il va falloir qu'on trouve un petit cours d'eau quelque part, mais la tour verte, je sais que c'est dangereux. Il faudrait qu'on l'atteigne, peut-être, et voir un petit peu ce qu'on peut faire par là. Oh, j'entends un raptor. Oh, c'est foutu. Oh non, c'est foutu. Voilà, je me disais bien, voilà, les départs sur Scorch. Ça commence toujours comme ça. Hop, 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 hop. Je vais essayer de le feinter. Je vais le brain. Je vais le brain. Je vais le brain. C'est là qu'il fallait que je monte. Il faut que je monte. Raptor, s'il te plaît. Voilà. Ok, bon voilà, ça c'est l'aventure sur Scorch qui commence comme prévu, tout va bien. Eh ben non, tu pourras pas monter. Je vais mourir de soif. Ça commence, ça y est, c'est parti. Bon bah logique, hein, j'ai envie de vous dire. Non, vas-y, cours toi le cheval, va là-bas, va voir le raptor. Regarde petit raptor, il y a un cheval. Regarde, il y a un petit poney. Va voir le petit poney. Non, non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Alors, les amis, avant de mourir... Parce que là je vais mourir c'est sûr. Je vous rappelle que la série, on est en binôme avec Lola sur le serveur. Regardez-moi les joues. Oh, j'ai déjà pris des coups de soleil. Bon, j'espère qu'il y a de la biafine dans le coin les amis hein, parce que là, wow, ça va cramer sévère. Oh là 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 là. Donc avec Lola, on est sur le même serveur. Par contre, on se spoile pas, on se dit pas où on spawn. Donc voilà, vous pouvez voir aussi sa série sur sa chaîne. Le lien est dans la description. Et ben, on espère se retrouver bientôt. Mais voilà, on veut vivre l'aventure à fond. Et puis se retrouver quand le destin nous dira que c'est bon, quoi, que le destin nous mettra sur la même route. Pour l'instant, ma route, c'est dans le ventre d'un raptor. J'espère que pour elle, son start se passe bien. Je sais que c'est sa map préférée. Et moi aussi, j'adore Scorch. Hein. Vraiment, j'adore Scorch. Mais là, je le sens pas bien. Vous pensez que je peux courir, là, jusqu'à la tour verte? Vous pensez que ça tient? Allez, on tente. On tente. À la tour verte, il y a de l'eau. Je sais que à l'époque, sur Evolved, je faisais tout le temps ça. Quand je spawnais, quand je faisais un start, oh là 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 là, il faut qu'on court, il faut qu'on vive. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de prendre du stuff, mais par contre, ça, ça donne de l'eau, non? Jarre à pétrole. Ah non, ça m'a donné du pétrole. Ben oui, jarre à pétrole, oui, logique. Par contre, les cactus, non, les cactus, ça donne de l'eau. Oh, je suis mort. Oh, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort, là, il va pouvoir grimper, je suis mort. Viens là, Minou. Non, 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 ça, c'est pas le même Minou, ça. Attends, je peux peut-être le brain. Ah ouais, tiens, je peux peut-être le brain sur lui, là. Vas-y, attaque lui. Ah non. Ok. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Je sais pas combien de fois je vais mourir. J'ai changé de lieu de départ. Ok, il va nous falloir de l'eau, déjà, dans un premier temps. Et je vous disais, du coup, le cactus, pour ceux qui connaissent pas Scorch, eh bien, ça hydrate. Normalement, si c'est toujours le cas... Donc on va s'en prendre un petit peu. Voilà. Alors comme je vous disais, du coup j'ai récupéré mon personnage de Sea Island. Donc du coup j'ai mes points. Et bah, du coup ça me permet voilà, d'avoir déjà un petit peu de vie. Hop, ça on va se prendre ça là. Et ça, voilà. On mange et ça hydrate et ça nourrit en même temps. Par contre il faut en prendre beaucoup pour que ça hydrate. Mais franchement sur Scorch ça peut sauver dans un premier temps.
Et nous, il va falloir, les amis, qu'on se, voilà, qu'on se trouve un petit peu de peau, qu'on se trouve un petit spot. Surtout, l'objectif de cet épisode 1, c'est trouver un petit spot pour démarrer tranquille. Tranquille, hein, on s'est compris. Mais au moins démarrer. Je pense en plus que, voilà, il est quelle heure là ? 17h21, donc ouais, 17h21, la nuit va pas tarder à tomber, il me semble qu'on a moins chaud la nuit, donc ça c'est une bonne nouvelle, et attendez, c'est pas un cours d'eau que je vois là ? En tout cas la map est magnifique les amis ! Oh là 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 là, je suis comme un fou, il y a de l'eau là-dedans ? Est-ce que, oui il y a de l'eau, oui il y a de l'eau ! Ok, on va pouvoir peut-être commencer à s'installer un petit peu, déjà peut-être débloquer nos premiers engrammes, effectivement. Oui, on va se faire ça d'ailleurs, oui, parce que moi j'y vais vraiment comme ça, quoi. Regardez-moi ce canyon, l'eau est verte, les amis, et ça, je trouve ça vraiment stylé. On n'a pas de l'eau turquoise, c'est vachement réaliste. On se croirait un peu dans, bah, dans l'eau d'un canyon un peu verte avec un petit peu de, comment on appelle ça, de la mousse au fond de l'eau. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un endroit pour, aïe, oulala, pour accéder justement à cette eau. Et pouvoir peut-être commencer à se faire pioche. Waouh, il va falloir faire attention aux crevasses. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, là ? Ah ouais, il va falloir qu'on se prépare une petite pioche et tout, là. Un petit atelier, un petit lit, les premières fondations. Oh, c'est trop bien. On va prendre le temps, les amis, comme d'habitude. Vous savez, sur cette chaîne, on n'est pas du genre à speedrun les épisodes. The Island, on l'a fait en 51 épisodes. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes débutant, vous avez juste à suivre les épisodes un par un et ça vous fait un petit peu un guide pour vous démarrer. Et pour les joueurs expérimentés, bah les amis, hein, je suis pas ce genre de joueur qui aime flex ou quoi, ou à faire à créer des exploits. Voilà, moi je joue avec du second degré pour ceux qui me découvrent sur cet épisode. Et voilà, avec un petit peu de dérision. Et beaucoup de gamelles aussi, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On va se trouver un petit endroit un peu plus plat. Voilà, là-bas, ça pourrait peut-être le faire. Ah non, Terror Burn, non, non, ça va pas le faire du tout. Ok, ok. Et ça, c'est toujours les trucs qui donnent du pétrole, parce que je sais que... Ah, mais non, c'est les gros trucs qui donnent de l'eau, là. J'ai perdu le nom, comme ça, j'ai plus le nom en tête. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme engramme, déjà ? On va aller voir ce qu'on peut débloquer. On va déjà débloquer la pioche, ça, c'est bon. Alors, du coup, voilà, avec le DLC Bob's Tales, là, du coup, on a tout l'équipement du cowboy. Donc, ça va être sympa. Au début, j'étais pas trop hype avec cette histoire de cowboy. Je comprenais vraiment pas ce que ça venait faire là. Mais quand j'ai vu le trailer, les amis, j'ai fait « Ah, d'accord ». Et là, je peux vous dire que sur le serveur commu, il va y avoir des villages de cowboys, des saloons, des trucs comme ça. Je peux vous dire que tout le monde va bien s'amuser. Ça va être pas mal. Donc là, bah, écoutez, on va débloquer tous les classiques. Hein, la petite gourde, ok, l'argile, on va le débloquer, on va en avoir besoin très très vite, ok, mortier, pilon, la poudre d'étincelle, le lit bien évidemment, hop, les narcotiques, la petite tente évidemment, la petite torche sur pied, la longue vue, ok, très bien, je pense que déjà avec ça on est pas mal. Ah oui, bah ça, les bolasses par contre on prend, le boomerang on va prendre aussi, je sens que je vais me faire attaquer dans pas longtemps là. On va se prendre la fondation dans un premier temps, et puis pour le reste, je pense qu'on verra un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est ça, shootable bottle? C'est peut-être des... je sais pas ce que c'est. Peut-être des cocktails Molotov avec le DLC. Donc voilà, ah, le puits. Ah oui, ça, évidemment. Et ça, qu'est-ce qu'il faut? Engramme, puits d'eau, grande boîte de rangement et étagère ou ciment. Nécessite 10 points d'engramme, ok. Très bien, on a l'argile aussi à débloquer, tout ça, ça va être incroyable. Oh, le petit gerboa, regardez-moi ça, les amis. Oh non, oh non, il a un bébé. Il y a un bébé gerboa. Il y a deux bébés gerboa. Oh non. Oh, on va le tamer. Allez, c'est parti. Viens là, dans mes souvenirs, faut lui péter un petit peu la gueule, mais serré. Oh, des bébés parasaur. Oh, ça va être trop bien. Voilà, il dort. Ok, très bien. On va lui mettre les petites méjots. Voilà. Ok, ça, ça se tame très facilement. Hein. Petit gerboa, mais qu'il est mignon. Je vais voir si... Oh, le Doedicurus. Oh, ça serait bien. C'est quel level, ça? Ça, il va nous en falloir un. Rapidement. Ok, je vois pas son level, par contre. Ok, 195. Tempête. Oh my god. Ok. Ok, ça commence. Oh, ça commence fort. On se prend une tempête directe. Waouh, la violence. Oh là 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 là. Ok, petit gerboa tamé. Notre premier petit dino. Coucou toi. Hop, alors les bébés, comment vous dire,
ça va être compliqué, il va falloir que... Hein, il va falloir que vous vouliez de vos propres ailes, hein. C'est important, de toute façon, je vous ai perdu. Bébé Gerboa, il y en a un ici, mais comment voulez-vous que je me trimballe deux Gerboa, là, ça va être compliqué. Alors écoute, à la limite, hop, viens là. Voilà, ok, on va faire ça, on va se prendre le petit bébé avec. C'est juste par, voilà, pour la conscience. Il y en a un qu'on peut pas prendre, évidemment. Hop, voilà, on va lui mettre un petit peu de bouffe là-dedans, on va le laisser grandir tranquillement. J'espère qu'il va grandir tranquillement. Ouah, la tempête, on voit plus rien, là. Pop, hop, pop, hop, pop. Oh là 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 là. J'ai vu la tempête sur le trailer. C'était juste insane. On va reprendre du cactus. Tant qu'on en a en visu, on en prend. Ok, et est-ce qu'on a de quoi se faire une pioche, là? Parce que... Hop, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Du bois et de la pierre. Donc on va ramasser ça tout de suite. Du bois et de la pierre. Ok, on a déjà de la pierre. On a récupéré du sable. Il nous faudrait un arbre pour récupérer du bois. Il est là. On va pouvoir se faire les premiers ustensiles, les premiers outils. Ok, un petit peu de branchage. Donne-nous du bois, s'il te plaît. Un petit peu de bois, voilà. Encore un petit peu. Encore un petit peu, voilà, c'est bon. Ok, bon. Là, on va se faire le premier petit stuff de base. Hop, la petite lance aussi. Il va falloir qu'on en récupère une rapidement si on veut se protéger. Ok, très bien. Allez, du silex et du bois. Grâce à cette pioche, on va pouvoir faire le silex. Ok, ok, très bien. C'est parti. Du silex. Ok, on en a. Très bien. On va pouvoir se faire la petite lance. Non, il nous en manque un peu. Il nous manque un petit peu de bois. Ok, il va falloir trouver un arbre dans cette tempête et la nuit qui tombe. Oh là 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 là, les conditions climatiques. Où est-ce qu'il y a un arbre? Ah ouais, ça va être ça le plus dur. Ils sont là-bas, les arbres. Ok, je ne veux pas mourir maintenant. J'ai un petit gerboa. J'ai même un petit bébé qui est censé nous suivre. Suis-nous, hein. Force. Courage. Allez, un petit arbre ici. Je pense que là, ça pourrait être un bon petit spot pour démarrer. Ok, en plus, il y a le Doedi qui est juste là. Ça va nous servir énormément. Voilà, très bien. Ok, on va pouvoir se faire la petite lance. Ok, très bien. La petite hache dans la foulée. Ok, et en fondation, on va attendre un petit peu. Ok, la lance, on va la mettre ici. La bouffe, on va la mettre ici. On reprend les bonnes habitudes. La hache ici. Très bien. Il va nous falloir un petit peu de peau. Je pense que les lances, si on pouvait s'en faire plusieurs déjà. Voilà, on va se faire ça. S'en faire quelques-unes. Des bolasses, il va nous falloir un petit peu de peau. Seulement 3. Donc, il va falloir qu'on tue quelqu'un. Ok, petit gerboa, la tempête est terminée, mais on est drôlement haut et il y a toujours ce petit air hors-bird. En plus, on n'a pas de longue vue, si c'est un bas level à la limite... Oui, bah oui, 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 c'est bien ce que je me dis, oui, oui, c'est dangereux. Mais le truc, c'est que là, voilà, il n'y a pas de... Ouais, c'est chaud. Tu crois qu'on peut l'avoir juste avec nos petites lances? Imagine, c'est un 150, ça peut être dangereux. Mais par contre, il pourrait nous donner de la peau. Non, t'es pas chaud. Ok, ouais, ouais, t'es pas chaud, parce que si je meurs, je te perds aussi. Et ça serait peut-être un petit problème. Ok, ok, ok. Jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Une femelle hyène? Elle est toute seule? Oh, il y a un serpent là-bas. Allez, on se la tente. Vas-y, petit gerbois, on se la tente. On se la tente. Il nous faut de la peau, il nous faut de la peau. Viens, la petite hyène. Non, 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 va pas vers le loup, s'il te plaît. Reste ici. Reste ici. Reste ici. Ah, je l'ai raté. Oh non. Elle va m'emmener droit vers ce que j'ai pas envie. Oh non. Allez. Allez. Ah, ah, peut-être. Oh non, voilà, c'est ça que j'avais pas envie. Ah non, ça level combien? 115. On est mal, on est mal, on est clairement mal. Voilà, c'est ça que je voulais pas. Je le sentais pas du tout. Oh non, 2. Bienvenue sur Scorch. Ok, bon. Bah écoutez, je m'attendais pas à autre chose pour un départ, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un autre gerboa. Ok. Là-bas c'est tout rouge. Tour verte est ici. Ok, ok, ok. Le dernier décès est à 400 mètres. Je pense que mon cher Boa va se faire bouffer. Bon bah écoutez, tout se passe comme prévu, hein. Bon, j'espère que votre start se passe très bien, les amis. Bon écoutez, ça se passe plutôt bien. On a fait au moins un petit timing de Gerboa, même si on l'a pas gardé. Eh bien écoutez, c'est déjà ça. Alors, je vois qu'il y a un petit parasaur ici. On va aller voir son level. Et ça, c'est pareil, hein, les parasaures, c'est pas les plus simples à attraper au début. Surtout pour prendre de la peau, étant donné que ça court vite. Est-ce que ça pourrait me donner de la peau? Je suis pas sûr, hein. Ça va me donner de la chitine. Ouais, ça donne de la chitine. Bon, c'est déjà ça. Hop, toi, t'es level combien? Level 5? Ah, je peux peut-être t'avoir.
Allez, ne cours pas. Ne cours pas. Ne cours pas. Yes, let's go. Let's go, let's go, let's go. On va prendre tout de suite la peau. Voilà. Ça, c'est très, très bien. Maintenant, on ne meurt pas. Ouais, quand je vois le nombre de bestioles qu'il y a en bas, entre les loups, les terror birds, les lézards épineux, jamais je ne récupérerai mon petit gerboa. Je crois qu'il va falloir que... Oh oui, oui, oui. Oh là là, il y en a du monde. On va oublier ça. On va oublier cette idée de retrouver le gerboa. Maintenant, est-ce que ça serait plus safe de remonter la rivière de ce côté-là? Je pense. Après, je vois qu'elle continue aussi là-bas, donc on peut peut-être s'aventurer de ce côté-là. On va aller voir. Oh les amis, le soleil il tape. Oh là 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 là. Il faut vite que je retrouve du cactus. Du cactus au plus vite. Il faut que je bois. Là-bas, il y a quoi? Il y a des cochons, c'est dangereux. Oh là là. Ça commence à être dur. On commence à souffrir. Et plus je cours vite, plus j'use mon endurance. Oh là là, les canyons. Oh là 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 là. Ouais, ça commence à être compliqué. Est-ce que je peux faire un lit? Oui, je peux faire un lit. Maintenant, il faudrait que je récupère un petit peu de fibres. Hop, voilà. Ok, un petit peu de fibres. Ok, on va se faire une petite fondation. On va anticiper le fait qu'on va mourir. Hop, voilà, petite fondation. Voilà, très bien. On va se la poser ici. Hop, le lit avec. Très bien. Ok, première structure posée sur Scorch. Ici. Voilà. Le lit posé. Voilà, on va mettre une petite caisse en bois aussi. Je crois pas l'avoir débloqué, la petite caisse en bois. Voyons voir, la petite caisse. Caisse de stockage, décor box. Ok. Donc ça, ça doit être un skin de décoration. Très bien. Voyons voir dans les schémas. Même pas. Ok, on va tenter la décor box pour voir. Ok. Voir si ça change un petit peu. Qu'est-ce que ça donne la décor... Ah! Ah oui, d'accord, c'est... Oui, oui. Ok, c'est juste minuscule. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose là-dedans? Ah ouais. Ok, bah écoutez, on va y poser... Alors, peut-être pas besoin de tout, mais au moins la peau, la chitine... Bah, quasiment tout, en fait. Hein. Oui, parce que là, on va mourir dans pas longtemps. Ok, on transfère tout. Ah, mais il n'y a qu'un emplacement! Il n'y a qu'un emplacement dans ce truc! C'est une blague! C'est une blague! Vite! Donc, ok, donc ça, c'est vraiment de la déco, quoi. On est clairement sur de la déco. Vite! Vite, 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 vite! Caisse de stockage! Let's go! Allez! Hop! Ah oui, donc ça, c'est vraiment purement décoratif. Ok, d'accord. Oh là, je sais pas combien j'ai fait de caisse de stockage, mais c'est pas grave. Hop! On va se poser ça là. On va se mettre ça dedans. Voilà! Au moins, ça, c'est sauvé, le plus important. Au moins, voilà, on a un petit point de spawn. On va mourir, tout simplement. Hein. Dites-moi dans les commentaires comment se passe votre start aussi. Je serais curieux de voir. Et puis, écoutez, bah, en plus, là, on va passer la nuit. Voilà, je saigne. J'ai plein de sang sur mon caleçon. On va peut-être s'en sortir. Je dis bien peut-être. Si on arrive à boire un petit peu d'eau, ça serait bien. Oh, let's go, peut-être. Attention. Non, il n'y a pas de flotte, là. Ok, mais au moins... Ok, alors, on va aller... Voilà, on garde l'objectif. On va vers ce rocher. Ah, voilà, j'ai plus d'endurance. Là, je sens que je vais me faire attaquer. J'entends un bruit que je n'aime pas. Oh non, 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 non. Voilà, j'ai plus d'énergie. Voilà. Ok, ça va, je récupère de l'énergie, je mange le mur. Laisse-moi, je trace. Oh, je vois un scorpion à gauche. Ok, bon, on a un scorpion et un titanoboa. Alors, attendez, si on récupère un petit peu d'eau, peut-être qu'on va récupérer plus vite de l'énergie. Ok, super, super. Ça, c'est vraiment la denrée rare. Hein. Ok, on a bu un petit coup d'eau. Ok, très bien, très bien. On a le scorpion sur nos côtes toujours. Ok, ok, maintenant qu'on a rebu un petit coup d'eau, franchement, c'est pas mal. Oh là là, et là-dedans, il y a de l'eau dans ces dinos-là. Est-ce que on peut récupérer de l'eau, là, sur eux directement, ou que quand ils sont tamés? Non, non, c'est que quand ils sont tamés, hein. Là, il y a des poches d'eau là-dedans. Ok, très bien. Bah, écoutez, les amis, on a trouvé un petit point d'eau. Ça peut être pas mal. Je me tâte à aller rechercher mon stuff. Je vais récupérer mon énergie. Ah, non! Oh, il m'a loupé!
Oh, lui, par contre, il va pas me... Oh, non, 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 il va pas me louper deux fois, lui. Hop, à moins que je le brain. Oh là là, encore des terror birds. Oh là 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 là, les points d'eau sont dangereux, hein. Aïe, aïe, aïe. Je cours. Je cours. Je m'accroche à la vie. Je vais pas m'accrocher à la vie longtemps. Je crois que c'est foutu. Oh oui, je crois que c'est foutu. Vite, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Cours, Forest, cours. Cours. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Un loup, on est mort. Ok, on l'esquive peut-être. On est peut-être en train d'esquiver un loup. Je crois qu'on va pas l'esquiver longtemps. Bon, ok, un chat. Non, c'est bon. Ok, 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 ok. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ok, allez-y, finissez-moi. Bon appétit. Voilà, de toute façon, le stuff est en haut. On a pu explorer et c'est une bonne chose de fait. Bon, bien. Eh, on s'installe petit à petit, hein. Ça, c'est bien, ça. Une fois qu'on a un lit, une fondation et une boîte, on est plutôt pas mal. Bon, 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 bon. Alors, bilan de tout ça. On est mort là-bas. On est mort là-bas. Où est-ce qu'on va mourir maintenant? Bon, on va tenter une nouvelle réapparition en or 2 difficile. Où est-ce qu'on se trouve? Oh, punaise. Oh, punaise. Oh, punaise. Ok, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Très, très, très mauvaise idée. Très, 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 très mauvaise idée. Oh, je suis mort. Oh, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Oh, là, c'est sûr. Quoique. Ah, je suis pas mort. Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. On y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Où est-ce qu'on est ici, là? Touk, 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 touk. Où est-ce qu'on se trouve? On est au niveau de la tour bleue. Le Carnot nous subit. Je sais pas comment on a fait pour survivre à ça. Je suis mort un peu partout. Par contre, là, qu'est-ce que je vois, là? Qu'est-ce que je vois, là? Je vois de l'eau. Je vois de l'eau. Ah ouais, donc, en zone difficile, c'est peut-être plus compliqué. Ok, ok, ok. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Une petite limenteria là-bas. Ok, là, on vient de passer un pont. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Alors là... Là, il faut y aller tranquille, Patch. On y va tranquille. Je crois qu'on est sur une belle zone. On vient d'esquiver, à mon avis, l'inesquivable. Et je pense qu'il va falloir profiter de ça. Ok. Ok, ok, ok. Ok, alors, je vais retirer tous mes décès, là, parce que... je suis mort vraiment trop de fois, là. Je suis mort au moins 5 fois, hein. 5 ou 6 fois. Je teste les spawns. J'ai lâché mon petit coin là-bas, tant pis pour le lit. Oh, qu'est-ce que j'ai vu? Ok, ok, je suis parano, je suis parano. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, ici, déjà, il y a de la verre... Oh, il y a de la verdure et de l'eau. Ok. Ok, ok, ok. Oh là 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 là, mais attendez, mais on est trop trop bien là. Je reste ici. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai mon spot de démarrage. J'ai de l'eau. Oh là 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 là, il faut absolument qu'on trouve de la peau sans mourir. Où est-ce qu'on se trouve? Waouh. Oh, c'est magnifique. Waouh. Ok, d'accord. Ok, il faut absolument que je trouve de la peau et que je reste ici. Bon. Il va falloir qu'on se fasse un lit. Oh là là, c'est magnifique, c'est en train de se passer. C'est magnifique. On est ici. Ici, on n'a pas envie de lâcher cet endroit parce que c'est magnifique. Là-bas, on sait qu'il y a des carnots, c'est mort. Ok, il va falloir qu'on mange aussi. Et on n'a pas de viande, bien entendu. Ouais. On n'a pas de viande, mais on a des baies. Alors, on peut continuer à farmer des baies un petit peu pour manger des fringues. J'ai peur de me faire des fringues, sachant que je peux mourir très vite. Mais bon, on va quand même découvrir ça. Hop, le petit chapeau. Voilà, ok. Et il va nous falloir de la peau, du coup, pour débloquer tout ça. On va déjà se les mettre. Peut-être que voilà, ça nous permettra de survivre un petit peu plus longtemps. De résister un petit peu. Voilà. Bon, maintenant, faut pas mourir. Ok, donc, on vient de là. On est en hauteur, par contre, hein. On est bien perché. Mais on va fouiller un petit peu. On va peut-être trouver du pégo ou même du gerbois. Oh, il y a un loup bleu. Ok, l'imantria, ça donne de la chitine.
On va te tuer quand même. On s'est jamais remandé. Ah non, on l'aura pas eu. Tant pis. Ok. Eh bah super. Ok, elle m'a stun. Ah, ça me fait bizarre de me voir avec un chapeau comme ça. Je vois plus mes cheveux. Ok, on va essayer de pas tomber. Oh là 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 là, l'énergie, l'énergie. Ok, on va se reposer un petit peu. La survie commence. Oh là là, les tempêtes électriques là-bas. Incroyable. De toute façon, Scorch, faut pas trop courir vite en vrai. Hein. Ah, doux cactus. Ah non, ah non, ça c'est pas le cactus qu'on peut récupérer. Ok, très bien. On récupère ça. Il nous faut de la bolasse aussi pour esquiver vraiment tout ce qui est Raptor, Terror Bird et tout. J'espère qu'on va avoir de la chance sur ce loot. Voyons voir. Est-ce qu'on a de la chance? Bah super. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Piège narcotique. Ah, des portes et des fenêtres renforcées en pierre. Bon, allez. On va les prendre histoire d'eux, mais bon. Ouais, piège narcotique, là, pour le coup. On n'a pas eu de chance. Bon. Alors, si nous avaient donné de la peau, franchement, on aurait été refait, quoi. Mais déjà qu'on a trouvé un petit endroit paradisiaque, si je puis dire... On va aller de l'autre côté là-bas, on va longer un petit peu ce petit coin-là. Ok, petit coup d'eau. Très bien. Oh, oh, Galiminus. Galiminus. Galiminus coincé. Niveau 20. Ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Tu es mon avenir. Vite. Non, 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 non. Meurs. Oh, oh la vache, il faut que je monte là. Non, 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 non. Il est mort. Il est mort. On panique pas. La hache, il est mort où? Il est mort où? Non, 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 me dites pas qu'il a des pop. Je refuse de croire qu'il a des pop. Ah, oh, il est là. Ok. Donne-nous, s'il te plaît, de la peau. Ok. Parfait. Le lit. Le lit, vite, 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 vite. Le lit, craft. Let's go. Ah oui. Allez, deux petites fondations, c'est bon ça, c'est très très bon ce qui se passe. Ok, j'aime bien l'endroit, j'aime bien l'endroit. Ok, ok, on est très bien, on est pas mal ici. Alors ça c'est le deuxième point d'eau et on a le premier point d'eau. Ici, petite cascade. Ok, de l'eau en dessous, on a une belle vue. On a le chemin qui est juste ici. Et là-bas j'imagine, ouais, on a un deuxième chemin. On va se mettre là les amis, je pense qu'on va être pas mal. Là-bas, c'est quoi, là-bas? Ouais, on est un peu à l'abri, ici, hein. Ouais, on ira voir plus tard ce qu'il y a là-bas. On va s'installer tranquillement ici, je pense qu'on va être pas mal. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Les structures, le lit. Hop, on va se mettre là, tranquille, non? Ou de l'autre côté, peut-être, qu'on sera peut-être encore plus à l'abri. Si on se met ici. Hop, on devrait être pas mal, ici. Ouais, sur l'herbe. Si, comme ça, on est bien, on est protégé un petit peu, là. Choisissons la vue. Choisissons la vue. Est-ce qu'on regarde par là? Ou est-ce qu'on regarde par là? Ah, c'est plus joli par là. Ok, donc on va se mettre là. De toute façon, c'est vraiment une petite starter base. Pour commencer à s'installer tranquillement, on va se mettre à l'ombre. Allez. C'est parti. Première construction. Le lit. Et posé, c'est fait. Ah, bah voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon. Ok. Bah, écoutez, on va récupérer un petit peu de branchage. On va se mettre un petit peu safe. Hop. On va pas tout faire dans ce premier épisode, mais au moins, déjà... Voilà. Attendez. Est-ce qu'on a encore un petit peu de peau? On a encore un petit peu de peau. Alors là, les amis, attention. On se crafte ça. Oh, le petit chapeau. Ok. Ouais, bah, écoutez, on va se mettre l'attirail du cow-boy, hein. Ah, mais ce chapeau, ça, c'est le même chapeau que mon smiley. Le petit pantalon, le petit haut. Bah, je crois qu'on a tout. On a des bottes. Ah ouais, mais il y en a plusieurs, hein. Il y a deux tenues différentes. Bah, écoutez, là, j'ai fait un petit mélange. Il y a plusieurs chapeaux, il y en a quatre. Ok, 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 ok. Bah, let's go, je pense qu'on les retrouve dans les produits de beauté, voilà. Le chapeau, on va choisir celui-là, comme mon smiley préféré. Oh, trop la classe! Les chaussures. Ah bah, les chaussures, on n'en a pas. Les gants, on n'en a pas non plus. Ça, on va se mettre ça. Oh la vache. Alors, à la base... C'était quoi ça? À la base, j'étais pas chaud. On va changer de chapeau, voir. Ah ben non, on peut pas. Je comprenais pas trop l'intérêt. Mais let's go, hein. On va le faire. On va le tester. Ça, c'est bon, c'est débloqué. Ok, pour la tenue. Schéma.
Alors, il va falloir qu'on se fasse les chaussures, qu'on peut se faire, du coup. Et voilà, ça, comme ça, on va pouvoir mettre des skins dessus. Très bien, donc on va pouvoir se mettre les chaussures, on prend celle-là. Ok, impeccable. On a les bottes de cow-boy. On va se mettre les gants. Voilà, on a des super gants. Écoute, on est pas mal, sachant qu'à mon avis, on va pouvoir le peindre et le personnaliser. C'est plutôt cool. Et franchement, j'étais pas du tout chaud pour le DLC Cowboy, comme je vous disais. Mais Ark, qu'est-ce qu'ils sont forts pour les trailers. Oh là 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 là, ils sont vraiment très très forts pour ça. Hein. Ah, ils m'ont eu, hein. Ah, ils m'ont clairement eu, alors là. Ah ouais, parce que j'étais pas chaud, je me suis dit, mais pourquoi Cowboy. Et après, c'est vrai qu'on a réfléchi, on s'est dit, bah ouais, c'est vrai qu'ils sont américains, les canyons, le Texas, tout ça, bah oui, pour eux, ça paraît normal. Et c'est vrai que finalement, c'est cool. Mais le DLC aussi, enfin, la partie du DLC qui va arriver sur Extinction, c'est dans le thème Mad Max. Honnêtement, ça aurait pu très bien coller aussi avec le désert. J'ai hâte aussi de voir Aberration, parce que, je vais être honnête avec vous, je sais qu'Aberration, c'est une map aimée par la communauté. Mais moi, pour tout vous dire, je vais vous donner mon anecdote d'ailleurs sur cette map. J'y suis resté 15 jours. Pourquoi 15 jours? Parce qu'à l'époque, je jouais sur officiel. Et j'avais été sur Aberration pour avoir une lumicorne. Voilà. Et du coup, bah, j'y suis allé solo comme ça. Et j'arrivais pas à revenir. J'avais pas compris qu'on pouvait revenir avec les faisceaux. Ça date, hein, tout ça. Et donc, du coup, bah, je suis resté 15 jours. Et le but, bah, c'était de repartir. De repartir, tout simplement. C'était mon seul et unique but. Donc, je suis resté 15 jours. J'ai fait aucun boss. J'ai pas été bien loin dans la survie, sauf ça restait une survie quand même, parce que mon but était de survivre pour rentrer chez moi sur The Island. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur Aberration. Mais par contre, le petit DLC un peu steampunk, avec le ballon gonflable, j'ai trop hâte de voir ça, parce que c'est vrai que c'est des grandes caves géantes et tout, il y a vraiment des hauteurs et tout, donc oh, avec les skins qu'on va avoir et tout, ça va être plutôt cool. Hop, on installe les petits pignons. Hop, mets-toi dans le bon sens. Voilà. Impeccable. Je me fais vraiment une petite maisonnette classique. Hein. Il n'y a rien de foufou. Oh, mais c'est vrai que j'ai eu des portes tout à l'heure dans le loot. Mais écoutez, voilà. Des portes en bois renforcées dans une maison en chaume. Tout va bien. C'est vrai qu'on peut s'en servir aussi pour les fenêtres. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Mais écoutez, ça avance. Hein. Ça avance pas mal. Le plafond, comme ça. Je sais pas si on va monter plus haut. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je pense qu'on peut se la finir comme ça. Hop. Voilà. De toute façon, c'est vraiment une base. Vraiment pour se poser un petit peu. Hop. Être un petit peu à l'abri. Mais par contre, on n'est pas à l'abri du soleil ni de la chaleur. Et pour ça, il faudra faire de l'argile. Il me faut deux petits plafonds. Et on est bon. On va se faire un petit peu de viande cuite aussi. J'en ai en stock. Ok, tac. Et puis, fondation, on va se les mettre à l'entrée. Voilà, les deux petits plafonds. Hop. Alors, c'est un petit peu bizarre. Hein. C'est pas foufou. Mais, alors là, attention. Hein. Préparez-vous à de la belle constru. Ça va arriver. Allez, encore deux plafonds et on est bon. Ok. Et ben là, Patch Curtis, le cowboy, quoi. Hein. Oh là 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 là. Hop, allez. Vas-y, là-bas. Ok, encore un. Le dernier. Yes, let's go, la première starter base. Ça fait bizarre qu'il n'y ait pas de fenêtre ici. Hein. Attendez, on va se retirer ça. Ça aussi. Voilà. Oh là 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 là. Ça va être insane, insane. Je vais changer l'emplacement de cette caisse. On va se remettre les murs, mais avec des fenêtres cette fois. Hop, voilà. Et voilà, un petit peu plus de lumière, c'est quand même plus sympa. Ok, on va se remettre quelques fondations ici. Hop. Voilà, super. Ici, on va y mettre les petits escaliers. Voilà. Ici, petits escaliers qui vont dans l'eau. Oh bah attendez. Les gars, on est sur Scorch. On est sur Scorch, on se met les pieds dans l'eau. Hein. Hop là, c'est le soleil, c'est caliente. On est bien. On peut se remettre encore des petits plafonds. Ouais, ok, on va se remettre ça. Ça, on retirera les plantes parce que ça fait pas joli. Ici, hop. Encore petit escalier. Il faudra vraiment que je déblaye un petit peu le terrain. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, là, je pense qu'on est pas mal. Comme ça, quand on est dans l'eau, tac, on a juste à boire comme ça. C'est pratique comme tout. On se teste ça, j'imagine. Allez. Oh, let's go. D'accord. Oh, la vache, c'est trop bien.
Oh, c'est trop bien. Je suis obligé de finir avec ça. Je suis obligé de finir avec ça. Attendez. On est obligé, là. On est obligé. Ici. Alors, attendez. On va se le remettre à l'intérieur. Tac. Tac. Attendez. Une fois qu'on a craft... On les a en illimité une fois qu'on a craft le skin. Ah, d'accord. Donc, la protection reste en chaume. Mais le skin, par exemple, est là en illimité. Mais non. Mais si. Mais si. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Tac, tac, tac. Oh là 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 là. On est refait, les amis. Très, très bonne nouvelle, ça, pour ce skin-là. Mais c'est incroyable. Ah, là, je l'ai retiré. Ouais, je l'ai retiré. Oh, je rêve. Au sol aussi. Oh non. Oh non, c'est trop bien. Oh, c'est trop, trop bien. Et en plus, ça, du coup, ça va pas être lourd comme un mode de construction. C'est juste un skin. Oh là 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 là, c'est insane. Oh, oh, regardez-moi ça. Bon, ben là, on est refait de chez refait. Donc, ça veut dire que même des constructions en argile qui nous protégeront de la chaleur, eh bien, seront en skin cowboy si on le souhaite. Oh là 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 là, incroyable. Et par contre, c'est pas une structure, on peut pas le mettre. On peut le mettre que sur des structures existantes. Donc là, on remet ça, on met l'escalier et ensuite on pose le skin dessus tout simplement. Et... on y croit ou on n'y croit pas là? Oh là 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 là, mais cette saison... Cette saison va être incroyable. On va se régaler. Est-ce que j'ai un dernier petit escalier? Non, mais c'est pas grave. Bon. On n'est pas les cow-boys nous? C'est insane. C'est insane. Ok, oh là 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 là, les bolas, on est là, impeccable, on va se faire un petit feu pour faire chauffer de la viande, voilà, avant qu'elle périme, elle a périmé. Ok, on n'a plus de viande, et ben c'est pas grave, on va s'allumer le feu pour le style, on va observer, voilà. Voilà à quoi ressemble ce nouveau DLC Bob Styles sur Scorch. Youhou! Le petit plouf dans l'eau. Eh ben écoutez, la tempête, là, franchement, on la prend, il n'y a pas de problème. On est à l'ombre, on a notre petite maison, on a notre petit skin de cow-boy, on a déjà nos premiers stuff. Eh bien écoutez, pour un start, je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Je retourne dans la maison parce que la tempête se lève. Les amis, c'était Patch Curtis, bienvenue dans un monde meilleur. Ciao!